Salut mes amis, c'est Sarah Détection et Maximus. Et aujourd'hui on est sur notre spot habituel. Et c'est le printemps et il y a un énorme beau champ de colza juste derrière nous. Et Alicia elle est aussi avec nous, sauf qu'il est aux commissions, voilà. Et on espère que surtout les découvreurs sont au rendez-vous. Je pense bien que c'est un bouton. Oh non, non. Et ah, là c'est creux dedans. Bon, alors c'est un bouton qui n'est pas du tout décoré. Qu'est-ce qu'on a trouvé là? Un vieux de la poudre médiévale. On voit les trous. Alors, je sais pas si vous verrez. Oui, il est ouvert en haut. Ouais. Dommage qu'il soit cassé parce qu'il est pas ouais. Il est gros parce qu'il a été écrasé. Ah ouais. Dommage qu'il soit cassé. Mais bon. Parfois c'est comme ça, tu sais. Ouais. Tu retournes les champs avec la charrette, casse tout. Mais c'est génial! C'est très joli, hein? Ça fait plaisir! Magnifique! Magnifique! Alors c'est dans cette petite motte. Ah. Voilà. Ah, je suis sûre que ça doit être ça. Oui, c'est ça. Ah, ça doit être une pièce, ça se voit. Ah, elle est toute pliée. Ah, ça doit être une 50 centimes. Voilà, première pièce de... Est-ce qu'on arrive à voir la date? Non, pas du tout. Je ne sais pas la date. Pour finir, ce n'était pas une 50 centimes, c'est une 2 francs. On jouait. Voilà, je me suis complètement trempée. C'est la première fois que j'en trouve une comme ça. Dans le creux de ta main parce qu'on voit pas bien quand tu l'as vu. Ah oui, ça. Ah ouais, c'est le. Et on a trouvé. Fragment de clochette. Et on a trouvé une petite boule qui pourrait peut-être être assemblée avec ça. Le bâton. Le bâton, oui, voilà. La cloche. Peut-être à celui-là. Sympa comme découvrir ça. On dirait un bouton. Un bouton, mais pas du tout décoré. La terre est vraiment super sèche. Compliqué à creuser. Ouais. Tu dis hein, si t'as besoin d'aide après. Non, si c'est bon. Oh.
Mais regardez cette belle découverte. Ça doit être peut-être sur les barrettes à cheveux, un truc comme ça, une broche. Avec des belles décorations. Ouais, d'accord. Salut! On a trouvé du poison fourmi. Une boîte de poison pour les fourmis, en plein milieu des champs. Cool, hein? Mm-hmm. C'est du beau, hein? C'est du propre. Hein? Mm-hmm. On voit que les gens respectent la nature. Nouvelle découverte. Et c'est quoi? Un anneau. Joli. Joli, joli. Il est magnifique. Magnifique. Contente? Oui. Ça fait un moment qu'on n'avait rien trouvé là. Hein? Ça fait ouais. Bien une heure. Ok. Ça me va bien. Ouais. Hein? Il est un peu grand hein, pour tes doigts. Ah. Je vois une idée. Je vais enlever cette motte. Ah non. Ah. Dans cette motte. Ah ah ah. C'est un dé à coudre. Et là, il y a un trou au milieu. C'est un d'accoudre médiéval. Je vais juste enlever la terre qui est dedans. Il y en a beaucoup. Voilà. Il est un peu tordu en plus ici. Et maintenant, c'est l'heure des 4 heures. Mmh, c'est trop bon. Banana. Banane. Dans cette petite motte, pirouette, cacahuète, on a trouvé un fragment, mais on ne sait pas ce que c'est. Mais c'est joli, il y a des lignes dessus. Mais on ne voit pas très bien parce qu'il y a de la terre. Attends, bouge pas ta main. Je ne sais pas si vous verrez. Il y a des lignes. Ouais. Numéro laboratoire. Et toi, rends ça, puis on verra déjà bien ce que c'est. Mmh. Voilà, encore une autre belle découverte. Là, j'ai trouvé une découverte que je ne sais pas encore ce que c'est. Je trouve plutôt ce que je ne sais pas aujourd'hui. Mais c'est vraiment sympa, ça a l'air ancien. Ça ressemble vraiment à un bouton, mais c'est fin, c'est bizarre. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous savez ce que c'est que ça. Mais je vais répertorier ça. Enfin justement, Massimo vient de dire que ça peut être une décoration d'une fibule. Un petit peu déformée, hein. Mm-hmm. Mais elle est très jolie. Elle est belle, hein. Mm-hmm. J'adore chouette. Ce petit motif de vague. Mm-hmm. Super. Encore une belle découverte aujourd'hui. Ouais. Ça doit être un bouton. Avec un truc grand bizarre au milieu. Voilà derrière. Alors je pense que c'est un bouton, pas sûr. Est-ce
plaît ça? Oui. Enfin. On attend plus longtemps, hein, c'est ça. Difficile de savoir ce que c'est. Hein. Ouais. C'est écrit à 1 centime, hein, je sais pas. On voit pas beaucoup. Ouais, c'est 1 centime ça. Ah, c'est bien, c'est mieux que rien. Alors je sais absolument pas ce que c'est, mais si on regarde bien, c'est décoré. Et je vais pas trop frotter parce que c'est fragile. Décoration d'une poignée de mois de couteau. Ouais, en plus il y a des décorations de l'autre côté. Joli, sympa. Mmh. On a sorti beaucoup de chenilles, hein, jusqu'à maintenant. Oui. C'est bien, hein. On a bien dépollué. On a bien dépollué. Ouais. Alors c'est la fin de cette vidéo et de cette sortie de détection avec des super découvertes. En découvert pour ma part et pour la part de Massimo et Alicia. Et maintenant je vous montre les merdouilles. Il y a eu beaucoup de cartouches aussi et beaucoup d'alu. Et maintenant les magnifique et belle découverte. Enfin, une découverte intéressante. Alors, n'hésitez pas à liker, commenter et surtout vous abonner. Bye!